Vous avez vu ce qui s'est passé en Libye? Non, jamais. Inondation catastrophique en Libye. Hein? Dans la ville de Derna, précisément, ils ont été inondés complètement. Quoi? On parle à peu près de 6 à 12 000 morts actuellement. Ah! 25% de la ville a été entièrement rasée. Ah! Maintenant, la vidéo en voie. Le maire de la ville, Abdul Menam Al-Ghaizi, il a expliqué que ça pourrait atteindre jusqu'à 20 000 morts. Jusqu'à 20 000 personnes. Un quart de la ville a été entièrement détruit par le cyclone Daniel. Et il y aurait au total 10 000 disparus. Tout ce qui s'est passé après Kadhafi, c'est le désastre, c'est l'enfer. Pendant ce temps-là, où sont les Bernard-Henri Lévy? Où sont les Nicolas Sarkozy? Ces gens-là, aujourd'hui, sont dans leurs 300 mètres carrés en plein centre de Paris, rien foutre de leur journée, alors que là, de l'autre côté de la Méditerranée, t'as des gens qui sont en train de mourir parce que, justement, il n'y a plus d'État. Pourquoi il n'y a plus d'État? Parce que l'Occident a tué cet État. L'Occident a tué Muammar Kadhafi. Cette attaque de l'OTAN en Libye a fait beaucoup de dommages. Mais pourquoi ils ont attaqué la Libye? En 2011, il y avait ce qu'on appelait le printemps arabe. C'était un mouvement révolutionnaire dans tous les pays arabes où on voyait le gouvernement se faire renverser. Hein? Et ça n'a pas échappé à la Libye de Kadhafi. Beaucoup de Libyens voulaient le départ de Kadhafi, ça faisait déjà 42 ans qu'il était au pouvoir. Et Kadhafi, il n'entendait pas cette oreille-là, il voulait encore rester. L'OTAN intervient en Libye, il était censé juste protéger la population. Et la protection s'est finie en traque contre Kadhafi. Barack Obama et sa clique pour renverser la Libye, ils ont armé des extrémistes terroristes que nous voyons aujourd'hui. Hein? Ils font tomber Kadhafi aux mains des rebelles, les rebelles qui tuent Kadhafi. Mais s'il dit qu'il veut rester au pouvoir, pourquoi eux ils les tuent? Obama faussement affirme que Kadhafi avait juré d'assassiner tous les civils dans la ville de Benghazi. Obama là, déjà il est mauvais, hein? Beaucoup d'afros avaient beaucoup trop d'expérience et d'espoir pour Obama. Mais il a déçu tout le monde. Son gouvernement a sanctionné beaucoup de nations. Mais pourquoi ils ont éliminé Kadhafi? Vu qu'il faisait des choses qui étaient complètement différentes. Il faisait quoi qui était différent? 1. Il n'y a pas de facture d'électricité en Libye. L'électricité est gratuite pour tous ses citoyens. Tous les jeunes mariés en Libye reçoivent 60 000 dinars du gouvernement pour acheter leur premier appartement. L'éducation et les soins médicaux sont gratuits en Libye. Les Libyens qui choisissent l'agriculture comme carrière reçoivent gratuitement des terres agricoles, une maison agricole, du matériel et du bétail pour démarrer leur exploitation. En Libye de Kadhafi, si un Libyen achète une voiture, le gouvernement subventionne 50% du prix. Le prix de l'essence en Libye est de 0,14 $ par litre. La Libye n'a pas de dette extérieure et ses réserves s'élèvent à 150 milliards de dollars, actuellement gelés à l'échelle mondiale. Ici, c'est mon deuil qu'on a honte. Si un Libyen ne parvient pas à trouver un emploi après sa graduation, l'État paiera le salaire moyen de la profession comme s'il ou elle était employé jusqu'à ce qu'un emploi soit trouvé. Une partie de la vente du pétrole libyen est créditée directement sur les comptes bancaires de tous les citoyens libyens. Je vois, c'est à cause de tout ça que ces bâtards l'ont tué. Kadhafi a signé son arrêt de mort lorsqu'il a décidé de créer une monnaie commune à l'Union africaine. Le siège de la banque qui devait émettre cette monnaie avait déjà été fixé au Cameroun. Dans le cadre du financement de cette banque, l'État libyen apportait 90% du capital requis. Ce qui permettait ainsi à l'Union africaine de sortir des griffes des bailleurs de fonds internationaux dont l'aide repose sur le dollar. C'était en quelle année? C'était en 2008-2009. Hein? Il n'a pas pu réaliser tout ça à cause de ces maudits là. Obama s'est permis quand même de faire un tweet disant « Si vous avez besoin d'aider les Libyens, référez-vous à cette organisation. » Il parle de quelle organisation? Il fait référence à son organisation. Barack Obama, aujourd'hui, pourrait-il se permettre de tweeter sur la Libye? Non, jamais. Ne sont-ils pas eux qui ont facilité l'anarchie qui règne aujourd'hui en Libye? Faut le laisser, il a fumé ben. Si ces pays du Sahel aujourd'hui souffrent, c'est à cause de Sarkozy et leur clique. Vous m'accusez d'avoir fait tuer M. Kadhafi? Hein? Ce n'est pas vrai. C'est un mensonge. Tu mens. C'est pas vous qui avez envoyé le temps pour le gras. C'est un mensonge. Hey! Sarkozy toujours pas en prison. Pourtant c'est lui qui a tué Kadhafi. Il sera bientôt arrêté. C'est ça. Milou. Allons l'arrêter. Oups. Oh, tu
regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Tout le monde qui m'a regardé, vous n'avez qu'à vous abonner. Ok.